La soirée du vendredi 17 novembre 2023 à l'Université d'Abou Mekalavi a été marquée par la tenue d'une cérémonie grandiose à double caractère dans le grand amphi Idriss Déby Itno. Il s'agit de la célébration des 10 ans du Master Intégration Régionale et Développement MIRD de l'UAC, couplée avec la remise de diplômes aux finissants. Pour les récipiendaires, c'est le lieu de remercier le personnel d'encadrement. Leurs efforts et leur dévouement ont été essentiels pour nous permettre d'atteindre notre plein potentiel. Créé depuis 2012, le Master Intégration Régionale et Développement de l'UAC regroupe des filières porteuses telles que gestion des risques et catastrophes, développement local et territorial et transport et mobilité. Ces masters ne se sont pas contentés d'être une passerelle vers une éducation de qualité. Ils ont également façonné des leaders capables de relever les défis complexes de notre époque. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers des nombreux diplômés qui ont occupé des postes clés dans des organisations internationales, des gouvernements, des ONG et des entreprises, ou qui se sont mis à leur propre compte, contribuant ainsi de manière significative au développement économique de notre pays et de la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les communes, les SE, vous les voyez, ils ont été formés, pour la plupart, ont été formés au Master MIRD. Ce Master a évolué, il a mûri. Il a mûri parce qu'ayant quitté les maîtrises professionnelles pour devenir Master, nous avons tout fait pour que les programmes que nous avons avec les besoins du marché. À l'occasion de cette remise de diplôme couplée avec les 10 ans de vie du MIRD, le professeur Flavien Gbeto interpelle les récipiendaires. Que ce qui vous a été donné, les âmes qui vous ont été communiquées au cours de vos formations respectives, ces âmes-là doivent vous permettre de relever le défi pour que dans 10 ans, vous puissiez fêter les 20 ans dans l'honneur et dans la dignité. Le Master Intégration Régionale et Développement est logé sous l'Institut du cadre de vie ICAV de l'UAC.